One, two, three, fuck it. Ça c'est le trépied, il est vraiment petit, mais bon, on va faire la gueule. Ah! Pas intéressant, pas intéressant. Le petit manigance. Ça c'est le zoom. Ça c'est le zoom. Ça je pense que c'est genre le papier le plus satisfaisant que j'ai jamais vu de ma vie. Oh my god! Je vais faire charger la batterie. Après ça, on verra qu'est-ce que ça donne comme qualité. Ah, puis by the way, j'ai déménagé. Fait que je vais vous faire des petites vidéos. En fait, non. Je pense que la vidéo qui suit, c'est moi qui essaie de monter un meuble IKEA. Non, en fait, je me suis complètement chiée. C'est pas mon... Ben, en fait, oui, il va y avoir la partie moi qui essaie de monter un meuble IKEA. Mais... En fait, j'ai décidé que la vidéo avait pas vraiment de contenu si je mettais juste ça. Fait que je vous ai comme montré un peu le processus de moi qui déménage. En tout cas, regarde, vous regardez la vidéo, là, finalement, le titre, c'est plus ça. Est-ce que ça marche? Oh my god! Ok, fait que dans le fond, aujourd'hui, en fait, il est pas mal 8h, mais en tout cas, j'avais prévu de monter mon meuble de bureau. J'ai jamais monté un meuble IKEA, fait que je sais pas trop ça va donner quoi. Fait que, c'est ça. Je m'habituerai jamais à quel point on voit genre en 3D mes imperfections. En ce moment, c'est ça que j'ai fait.
plus l'affaire là-bas, qui est pas trop claire, mais en tout cas, c'est une armoire. Puis, ok, ouais, c'est pas mal tout. C'est quoi? À part des chats, nous réussirons. Dans le fond, on est l'autre journée d'après que j'ai essayé de monter mon meuble IKEA. Je sais pas si IKEA... Comment j'ai dit IKEA? J'ai dit IKEA. En tout cas, bref. Que j'ai essayé de monter mon meuble IKEA. Il manque encore ici. Mais à part de ça, là, mon lit a été monté. Fait que ça fait que là, vu que mon lit est monté, je peux commencer un peu à arranger ma chambre. Écoute, puis ouais. J'ai enfin fini de monter mon meuble. Ça m'a pris 5 heures, mais je finis par le monter. Ok, il est 9h30 en ce moment. C'est vraiment le bordel total. Je suis vraiment loin d'avoir fini, je capote un peu. À date, mon garde-robe, ça a l'air de ça. C'est vraiment pas rempli. Ben en fait, oui, quand même. C'est comme, j'ai commencé à classer un petit peu. Puis il me reste toute cette boîte-là à fitter là-dedans. Fait que dans le fond, aujourd'hui, on est rendu à la troisième journée du déménagement. En tout cas, ben, la journée où que j'essaye d'arranger ma chambre. Au fond, hier, ce que j'ai fait pas mal, c'est le garde-robe juste ici. J'ai pas fini, il me reste comme toute cette boîte-là, puis cette boîte-là vidée. Mais sinon, à part de ça, ça a avancé quand même. Tu sais, comme j'ai mis quelques de mes t-shirts, camisoles. Sinon, ici, j'ai pas mal mis toutes mes hoods. Fait que, ouais, j'ai pas mal essayé d'organiser mon garde-robe. C'est pas complètement fini parce que ici, il va y avoir. Ah, il y a colique de bain. Non, mais c'est ça, fait que dans le fond, ici, dans celle-là, il va y avoir. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, les tiroirs, là, transparents, avec les trucs sur Pinterest que tu peux mettre tes lunettes pis toutes les kits, là, ben, on va mettre ça ici. Mais sinon, en part de ça, ben, il y a des tablettes à mettre. Pis ouais, non, c'est pas fini encore. J'ai quand même fait un gros bout hier, fait que ouais, c'est ça. Puis aujourd'hui, ben je vais continuer à faire mes affaires. Je vais essayer d'avancer le plus que je peux. C'est vrai, je vous avais pas parlé de mes cheveux. Ouais, j'ai coupé mes cheveux. Ça fait quand même un bout. Puis au début, ça devait être en lien avec une vidéo. Mais finalement, avec la fin de session, j'ai jamais eu le temps de la finir. Fait que je sais pas si je vais la mettre en ligne ou non. Fait que c'était pas mal la petite parenthèse que je voulais dire, mais bon. Bon, pour mon outfit, j'ai décidé de mettre des petites shorts de même qui viennent de chez Dynamite, si je me trompe pas. Puis ça ici, c'est... attends, c'est un bodysuit qui vient de chez H&M. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est ça. Fait que c'est pas mal ça pour mon outfit d'aujourd'hui. Vu que mon meuble est comme en plein milieu de ma chambre, vu que ma mère est venue le peinturer, je peux pas faire grand-chose. Fait que je vais faire du montage de cette vidéo-là.
Ok, hier, je suis en train de faire le rangement de ma petite armoire ici, la table de nuit. Puis là, ben, je savais pas trop comment l'arranger. Puis j'ai remarqué que moi, à chaque fois que j'achète un produit Apple, je garde la boîte. Mais là, j'ai comme trouvé une utilité. J'ai pris le couvercle de mon MacBook pour faire genre la surface, là, tu sais, le gros truc. Parce que avant, mes tiroirs, ok, c'était vraiment le gros bordel. Puis j'avais pas de bac pour ranger ça. Fait que j'ai pris ça ici, puis là j'ai pris mon couvercle pour mon iPhone, puis là j'ai mis des gogos, là, t'sais, juste pour dire que j'ai essayé d'être organisée. Puis là ça a comme fait des compartiments vraiment nice, parce que ici j'ai mis mon couvercle pour mon iPad mini que j'avais, ben que j'ai encore en fait, puis ça a fait que c'est comme plus organisé. Fait que c'est ça, fait que je voulais vous partager la petite découverte que j'ai faite. C'est peut-être pas une découverte parce qu'il y a peut-être comme 40 000 personnes qui ont déjà fait ça avant moi. C'est la première fois que je voyais ça. Puis que je sais pas, je me trouvais wise hier à 11h30 le soir. Je trouvais ça ingénieux de ma part. Puis ça fait recycler. Tu sais, j'aurais bien pu les mettre à la poubelle, mais finalement, ils vont me servir à quelque chose. Donc, ouais. C'est vraiment juste ça que j'avais à dire.